Et on est de retour pour ce deuxième match. Match éliminatoire Ouais, match éliminatoire entre du groupe A. les deux Européens qui ont perdu leur premier match. On rappelle que c'est un groupe de 4 avec winner bracket, closer bracket. Donc forcément, si on perd deux fois d'affilée, on est éliminé. Si on gagne deux fois d'affilée, on passe. Et si on Enfin, deux perd fois, d'abord et qu'on on gagne passe en finale. ensuite, on peut passer aussi. En tout cas, c'est Oige contre Orange qu'on va avoir à commenter. Un BO qui va être assez sympa parce qu'on a des line-up qui sont un petit peu originales justement pour ces championnats du On monde. peut le dire, même original, hein, dans une compétition où finalement toutes les line-up se ressemblent en termes de Ouais. classe. En tout cas, on a peut-être les deux joueurs qui ont ramené les line-up un peu plus exotiques, avec d'un côté Orange qui a ramené un C'est chasseur le seul chasseur du tournoi, donc on a hâte de voir comment il se comporte. et Oige qui a ramené Murloc Paladin. Murloc Paladin aggro, une version très très agressive où la carte la plus chère, bon, à part Vertunelier qui est C'est souvent le jouée pour Destri à moi, pointe, c'est c'est ça. Il le y a un Destri à pointe, Tarim ouais. et un Destri à pointe. Donc déjà, quand tu vois qu'un seul Destri à pointe, il y a les jongleurs au deux couteaux, donc ça va tout droit. Et pareil, chasseur, c'est full face, donc ça va être assez intéressant. Finalement, les deux ont démonise contrôle, les deux ont prêtre Raza, Raza. les deux ont druide aggro. Donc voilà, C'est ça va ça, être assez en chouette. fait ils ont une line-up qui est au final assez équilibrée entre l'aggro et le contrôle avec deux decks de chaque. C'est ça. Donc on va voir les mulligans, tout ça, les deux joueurs qui arrivent, le Danois Oige face à Orange. Orange, grand ami de Purple, on le sait. Danois, j'aurais dit suédois. Non, Oige, il est Danois. Danemark. Ah, t'as dit Orange, non? Je sais plus. Que t'avais dit Spra Orange, Danois. Ils se ressemblent un peu les deux. Orange is really really good. Like he's, I think like Orange Ouais, mais strength Oige, is il a une normally deck perruche. building because like Il he est meilleur. has some really really good practice partner and friends. I have huge respect for Holly. Probably one of my favorites too going in before seeing any deck. So like he is one of the strongest players in the tournament. His technical place is probably not like the highest. It's really really good. Like but if I have to compare it to like Kulin or Mercy and such, so sometimes he makes some technicals. He has a very distinct play style, and we were pretty sure that we knew what he was going to be doing before he was submitting decks for this tournament. He ended up doing exactly that, and he is frankly very good at doing that. So we're definitely one of the players I'm most scared of facing in the tournament. Hoi versus Orange. C'est clairement sans leur manquer de respect, les outsiders un peu de cette compétition. Bah, Pour le coup. C'est pas forcément des joueurs qu'on attendait déjà effectivement au championnat du monde. On se souvient que Orange avait battu Pavel sur le fil ouais, en ça. Shaman Evolution contre Shaman Evolution. Ouais, c'était une sortie affreuse de Pavel. Ouais. Il lui avait son deck l'avait pété entre les doigts. Et Oige avait battu Colento. Et Oige avait battu Colento pour se qualifier. Et Oige qui avait fait des très très beaux préliminaries en se qualifiant, en remportant les préliminaries. Et donc un grand 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 GG à lui. Ouais, c'est des joueurs qui sont quand même assez réguliers. Orange, c'est pareil, un peu comme Colento, il a eu une traversée du désert il y a à peu près un an et demi. Et là, depuis 6 mois, 1 an, il revient vraiment très très fort. Et Oige, pour le coup, il a toujours été régulier. C'est un joueur Ouais. un peu plus récent, on le connaît que depuis 2 ans et demi. Mais... Il fait toujours des perfs. Voilà. Ouais, Il n'a pas gagné de gros tournois majeurs, à part évidemment les championnats d'Europe. mais c'est un Mais gros sinon, joueur de ladder avant, aussi. voilà, il était très bien souvent en ladder, très bien en tournoi sans faire d'énormes perfs. Mais voilà, c'est un peu des joueurs comme Nerea finalement Tout à fait. qui sont très très constants dans leur performance. Tout à fait. Et puis ben, on va voir, je suis assez curieux de voir les bans. A priori, ça devrait être démoniste des deux côtés qui vont être bans. On va Ouais, voir. quand t'as des line-up aggro comme ça, je pense que démoniste. Oh! Eh bien non, Et tu ben tu vois. vois, Oige. C'est pour ça que je me posais la question. Ouais. Oige a banni le Warlock. Donc Et ça c'est Orange a normal, mais préféré Orange. ban le Priest. Ouais, ça c'est. Ok. Alors après, le Hunter, il y a moyen. J'ai plus exactement sa liste en tête, mais on sait qu'il y a moyen de tech le Hunter pour qu'il soit assez favorable contre Bah, démoniste, avec un beau avec pas mal sort, de il y a silence, moyen, hein, clairement. avec des cartes vraiment comme les Savannah qui vont Ouais. un petit peu challenge C'est ça. Mais pour le coup, oui, le démoniste. là, il y a déjà un très très bon call du côté de. On rappelle, c'est un format Conquest, hein, donc Ouais. si vous gagnez avec un deck, vous le validez. Donc évidemment, on peut target, on va dire, des decks dans ce format, même si c'est difficile parce que tous les decks ont la possibilité maintenant, dans les nouvelles méta, de tout battre. Mais là, il se retrouve avec un bon match-up. On sait que le Paladin Murloc est un counter naturel du prêtre et du druide Jade. Donc il est pas mal et en plus, il a une main qui est quand même relativement violente avec Ouais. ce.
Il lui manque un petit peu l'appel aux armes. L'appel aux armes, vraiment, c'est une des cartes qui a re-rendu le paladin viable. Ouais, mais il peut gagner 100. Franchement, là, avec il peut gagner 100, mais c'est vraiment une carte extrêmement puissante. Il tout le code light qui donne plus de d'endurance à tous tes murlocs. Il y a vraiment moyen de faire un truc, de tourner autour des pyromanciens, des AOE. Enfin, ça peut être sympa. Faut juste maintenant réfléchir au séquençage. C'est ça. Avec quoi tu commences? Moi, je commencerai avec le tight collar, la petite 1-2. Je sais pas ce que t'en penses. Pour optimiser vraiment les dégâts que tu vas rentrer. C'est souvent le meilleur tour 1. Tu le fais pas dans tous les cas. Il y a certaines fois où tu préfères commencer avec la 2-1. Mais là, en fait, tu tournes un petit peu plus autour en jouant ça. De la clérique. Voilà. Ouais. Donc, contre prêtre, c'est mieux. Mais par exemple, contre druide, tu peux commencer avec le 2-1. Vraiment, ça dépend des match-ups finalement. Et là, Orange qui pourrait jouer sa clérique, mais c'est toujours embêtant dans cette situation parce que tu te dis s'il y a chasseur Roche-Cave, je me fais punir. S'il y a double T1 Murloc, je me fais punir. Donc, ouais. pas évident à savoir. C'est quand même rare, hein, mais ça peut arriver. Quoi. Mm. Et il va le faire. Il va prendre le risque. Et Orange, maintenant, il va devoir réfléchir. Est-ce que je veux booster? Oh, ça fait rien ici. Est-ce que, ouais, est-ce que tu boostes ton Vilfin pour l'avoir directement 2-4 on board? Ou est-ce que tu boostes ton Cold Light Seer? Et là, faut réfléchir. Maintenant, faut tourner autour de pyromancien, pièce, châtiment. Pyromancien, pièce et d'autres combinaisons. Faut tourner autour de Kazakus, potion à 5, 4 dégâts. Donc voilà, tu dois réfléchir un petit peu à tout, à cette potion de folie aussi. Donc c'est pas évident. Voilà, c'est pas parce que voilà, il a forcé. Enfin, il sait qu'il va jouer ces deux cartes, mais l'ordre vraiment est pas évident à connaître. Et là, on prend le trade évidemment sur ce cléric. Pas de raison d'aller face dès maintenant. Et là, on a un très beau... une belle potion de folie quand même. Ouais, il va même radieux avec, c'est parfait. Hein. Radieux potion de folie, ça se met plutôt bien. Ça se met super super bien. Clairement, sans cette potion de folie, il avait presque déjà perdu. Ouais. Ah, t'imagines là sans potion de folie, tu fais juste élémentaire radieux. Ça pique. Ça picote. Ça picote les esthétiens bêtes. Ça veut rien dire du tout. Absolument rien. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est rare hein, que. Bah, ouais. Non, inventer des phrases comme ça, ouais. c'est pas souvent. J'ai une performance. Rare. Ouais. La petite tête de Hoyge. Ouais. Et donc le Cold Light Seer ici qui est pas fameux parce qu'il permet pas d'aller chercher cet élémentaire radieux. Oh, Sacred Maul. Alors, c'est celle qui est jaune, donc c'est celle qui met les boucliers divins. Non, c'est rouge celle qui met les boucliers divins. Celle-là, c'est peut-être celle qui invoque 2-1-1. Je sais plus. Je sais plus, j'ai plus les couleurs en tête. J'ai plus les couleurs non plus. Quand bien même, est-ce que le Cold Light c'est pas meilleur quand même? Ça a le mérite d'invoquer directement une créature. Je crois que c'est le bouclier divin. En vrai, je crois que c'est le bouclier divin. Le rouge, ça doit être plus un d'attaque ou la ou la provocation. Ah, le chat peut-être va nous le dire. Peut-être que le chat va nous le dire. Ouais, ici. Et c'est le taunt, ok. C'est le taunt. C'est le taunt en jaune. Ah, c'est le pire. C'est clairement le pire. Ouais. Bah, souvent en fait, ça t'apporte rien en fait. Oui. Donc là, ici, c'est ses outs principaux pour Hoyge. C'est clairement les faveurs divines. Hein. Il y a le Megazor qui serait vraiment cool. L'appel aux armes. L'appel aux armes. Il en a quand même pas mal. Mm. Il a tout ce qui est jongleur auto-couteau, ça peut être sympa, double jongleur, surtout que là on voit dans la main d'Orange, il n'y a que des créatures, donc il n'y a pas la possibilité d'aller chercher ces petits jongleurs. Et ici, côté Orange, on va juste passer le tour en fait. Ah, tu peux pièce à 3-6, non? Tu pièces à 3-6? Je crois que tu as besoin d'avoir du board. Hein. Ça veut dire que ton tour 4, ouais, t'as quand même grave, le mot de pouvoir bouclier. Tu peux pas laisser, en fait, vu ta main, il n'y a que des créatures, si tu ne fais rien derrière ton 3-6, oh là, c'est pire, j'ai plein de cœur. Bon, c'est Megazor ici, il y a Toxicité qui serait le mieux. Au pire, il y a le plus 3 d'attaque, mais ça t'oblige à utiliser ton arme. Il y a le Râle d'Agonie qui est pas ridicule non plus. Ouais, c'est pas horrible. Le plus 3 points de vie au final empêche le trade.
C'est ça. Ça veut dire que tu gères pas le body 3-6 ouais. Ouais, j'ai quand même une préférence pour la toxicité. Ouais, si tu trouves toxicité, c'est le mieux, on est d'accord. Ouais, et plus 3 d'attaque, c'est peut-être les deux meilleurs. Évidemment, là le play a l'air évident, mais on réfléchit quand même à toutes les possibilités. Pourquoi il y a ce. En fait, on doit se demander pourquoi il y a eu pièce près du festin. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'AOE. Peut-être qu'il n'y a pas de potion draconique qui doit se dire ça. Sinon, tu gardes la pièce pour la curver sur tes 5. Donc. Alors, la membrane, c'est a priori hors de question. On a le choix entre Death Rattle et plus 3 de vie. J'aime bien le Death Rattle. Ça va potentiellement comboter avec le jongleur. Ouais, mais le souci, c'est que. Oh, ça aurait été très direct, donc ouais. Pourquoi pas les points de vie. En fait, l'avantage de la 2-5, enfin d'avoir une 2-5 tonnes, c'est que. Est-ce que par rapport à Spirit Lash, ça change quelque chose? Non, même pas, parce que dans tous les cas, la 3-6 devrait s'empaler dedans. On va dire que tu tournes autour de Spirit Lash et Châtiment Sacré. Ou Pyromancien Spirit Lash, mais c'est une combinaison que tu gardes, ça. Oh, silence! Silence. T'es pas obligé de le jouer. Tu sais qu'il y a Industrie à pointe dans le deck de Hoy. Ah, c'est pas mal quand même de le jouer maintenant. Parce que si tu le joues maintenant, ça veut dire que tu peux trade la 1-3, heal ton 3-8, et ce qui fait qu'il est hors de portée de l'arme plus Megazord. Et puis au final, le silence il va être fort sur quoi? Il va être fort sur le Destrier à pointe. Mais ça arrive dans un petit moment. Non, tu peux jouer ton acolyte juste pour le recycler. Ici, il fait office de maîtrise du blocage. Du coup, si tu joues l'acolyte, le silence a moins de sens. Oh. Il le fait juste pour tuer le Murloc. Il a peur peut-être de ce deuxième Megazord. Ah, ça veut dire dans ce cas que Megazord Arm permet d'aller chercher la 3-7. Ouais, mais... Il l'offre. Il l'offre, mais t'as peut-être envie de bloquer la draw. Hein. Après, si tu bloques pas la draw, c'est pas extrêmement grave parce que t'as toujours tes outs, enfin t'as 30 tes outs faveur divine qui sont importantes. C'est pas chaud, une belle là, pioche cette protectrice là pour Oige. Parce que ton jongleur, le souci c'est que si tu fais jongleur, ça veut dire que tu dois tuer l'aco quoi. Ouais. Sinon ça peut être. Ou alors tu le fais en dernier ton jongleur. Ouais, pour pas qu'il lance de couteau. C'est un peu dommage. C'est un peu triste. Mais non, mais ça peut se faire hein, clairement. En tout cas, finalement, avec sa sortie Orange, il s'en sort pas trop mal. Il a une belle Raza. Il est toujours à 30. Il a une super Raza au prochain tour. Ouais, on va trade et je crois qu'on va jongleur, jouer la 1 ouais, et ouais. Jouer le pouvoir. Oui. Et Hero Power. Ouais. Évidemment, il espère que tous les couteaux aillent sur la 3-7. Déjà, 1, il s'en sort bien. Et le deuxième. Et non. Bon, 50-50. Pyro. Je crois qu'on va Raza ici. Hein. Ouais. Et on va healer la 3-6. Au moins en faisant Raza maintenant, t'as la value du pouvoir héroïque quoi qu'il arrive à tous les tours à partir de là. Donc c'est. Tu mets un coup quand même dans le bouclier divin. Ah ouais, tu tapes dedans ouais. Et tu t'as 3-6. Ouais. Je pense que c'est plus important d'avoir le board. En fait, ton board est supérieur au board de Hoy ici. Mmh. Hein. Oh là 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 là. Je crois qu'il a récupéré la ouais. Deuxième arme. Ouais. Oh, et c'est à nouveau provocation. C'est à nouveau provocation. Dommage, hein, parce que là, le plus 1, ouais. Il aurait été particulièrement al dente. Ouais, ou même invoquer deux recrues de la main d'argent aurait ouais, été bien avec le jongleur. C'est ça, même bouclier. Là, enfin, tout était bien, sauf la provocation, ouais. De toute façon. L'arme est très très mauvaise hein, si tu as provocation, ouais. Hein, mais tu l'as une fois sur 4. Le petit Murloc et son gros marteau, qui met un dégât quand même. C'est dur pour Hoyge. Hein. Pas évident, ouais. Il tombe contre le bon match-up, il fait une bonne sortie, une très très bonne sortie, mais il a pas ce mid-game assez puissant. Après, la partie, elle peut s'inverser d'un coup, hein, comme tu le disais, avec une faveur divine, avec un appel aux armes, avec ce genre de cartes, ça peut changer beaucoup de choses. Et il va laisser Raza en vie. Ouais, ouais. Le body qui est pas si grave que ça, puisque
Pour l'instant, il est obligé de s'empaler dans cette 1-1. Ça, c'est pas une très bonne draw. Orange qui pioche pas très bien non plus. Hein. Mm. Bah, au moins, il a de la pioche. Au moins, il a Novice Engineer, il a Loot Order qui vont lui permettre d'aller cycler un petit peu. Ça, c'est pas bon du tout. Non. Parce que les cartes que tu récupères sont pas bonnes en fait. Bah, c'est ça, et en plus. Et puis, même si tu arrives à avoir le Destrier, l'idée c'est que tu mets les cartes dans ta main quoi. Mm. En fait, tu restes avec 4 cartes en main, c'est-à-dire que tu offres la possibilité à ton adversaire de faire une faveur divine monstrueuse. Ah, là il peut prendre le Grimscale et du coup le jouer tout de suite. Ah bah là pour le coup, moins, c'est parfait. C'est peut-être la meilleure qu'il pouvait avoir. Enfin, la 1-3. Ah non, la 1-3 aurait pas été mieux parce qu'elle a changé ton pouvoir. Donc en fait, c'est un des meilleurs. La 1-2 aurait été mieux parce qu'il y avait un point de vie de plus pour tanker les couteaux. Exact. Et il va soigner Raza, il sait que c'est le board qui est le plus important. C'est ça. Et l'appel aux armes. Oh, très très bien avec jongleur de couteau sur le board. Et au-delà de l'effet direct de l'appel aux armes, ce qui va être très bien pour Oij, c'est qu'il va filtrer son deck. Il va enlever des petites cartes de son deck et donc maximiser ses chances de choper Tarim, de choper Corridor Creeper, toutes ces cartes peu plus lourdes. Bourbe Ninja, tout ça. Oh là là. Oh, le deuxième jongleur en premier. Oh, c'est beau. Ça va balancer un maximum de couteaux. Ah, c'est beau là. Là, c'est on se croirait dans Masterchef là. Les couteaux volent là. C'est la lunette de votre vie. Bon, il faut faire de la place. Ouais, pour, on va faire de la place pour réinvoquer le couteau. Un token. Token. Ouf. Ouais. C'était un peu ouf. C'était un peu le pire là quand même. Ouais, et peut-être que certains vont demander, mais pourquoi il a pas tué avec sa dague la 3-2 comme ça? Il a plus de chances que ça aille sur Raza. En fait, là, l'idée, c'est qu'en laissant les deux créatures, finalement, il a 2 chances sur 3. Que ça aille dans une créature. Dans une créature. Préfère que ça aille dans une créature. Bon, moi, il s'en sort pas très bien parce que ça va face, mais bon. Mm. Et là, si Orange récupère un spell, il en a trouvé un. Il pourra faire. Ouais, ça fait pas un clean suffisant avec le pyromancien. Non, je sais pas s'il faut pas Vélène ici. Tu peux Vélène, qui a beaucoup de points de vie, qui va tanker des couteaux. Je pense que je Vélène ici. Et il y a aussi un play où tu fais pyromancien, loot order, mind blast. Ouais, mais tu pioches une carte, tu tues un spell 1 et 1-1. Hein. Et si tu pioches un spell à 1, tu clean tout. Ouais, mais c'est. Et si tu pioches pas un spell à 1. Il est 7-7. En vrai, si tu pioches pas un spell à 1, tu te soignes encore de 2. Et tu laisses que 6 dégâts sur le board, ça va. Hein. Ouais, mais tu tues que 2. Que t'enlèves que 3 dégâts. T'enlèves que 3 dégâts. Là, le Vélène, il oblige l'adversaire à le trade déjà. Non, je crois que je fais Vélène et je laisse la possibilité d'avoir une draw supplémentaire pour avoir le pyromancien qui rase tout. Et puis tu peux te soigner de 4 quand même, grâce à ça. Allez, c'est parti, ce sera donc le Vélène. Si Oij, je récupère un deuxième appel aux armes, ça pourrait être très violent, c'est le Corridor Creeper. Ouais. Bon. Donc c'est... Déjà on va voir ce qu'il y a, où balance. On voit comment ça se passe. Où vont les couteaux. Bien, bien, bien dressé ces petits jongleurs. Bien ciblé, ouais. Alors si tu suicides tes 3 murlocs, ça fait 4 créatures qui meurent. Donc tu peux jouer le Corridor Creeper pour 3. Et tu peux pas jouer en même temps l'arme, par contre. Si. Et non, si 4... Ah si, pardon. Oui, il a 6 mana encore. Le souci c'est que t'as envie de value avec l'arme en fait. T'as envie que l'arme aille dans la créa. Donc c'est un petit peu embêtant. Je sais pas s'il faut pas corridor ici. Corridor maintenant. Et en fonction, t'envoies la 2-2 ou la 1. Je crois que je préfère corridor maintenant. Oh, c'est compliqué parce que c'est. Ouais. Ça dépend vraiment de la RNG des couteaux. J'aime bien ce play là. Franchement, je le trouve assez chouette. Il s'en sort moyennement bien, mais. Mm. Au moins, il garde la maximum pour son out du deuxième Megazord. C'est pas un spell ça hein. C'est pas un spell toujours. Ça marche pas hein. Attention hein. Ça va être compliqué. Par contre il peut pyro mind blast. Avec le loot order. Non ou même. Et derrière Okenai tu tues une de 2. Ouais je crois qu'il va faire. Il a besoin de pioche hein. Il a besoin de changer sa main. Elle ne lui suffira pas à gagner. Tu peux juste loot order Okenai et tu tues un jongleur. Ouais. C'est pas horrible. T'as vu qu'il y a une carte qui est depuis longtemps dans la main d'Oij, donc. Mm.
Ouais, je crois qu'il va partir sur ce play. Il doit vraiment garder Pyro par contre, hein, il est obligé. Ouais, c'est un deck. Non, ouais, c'est mieux. Il y a beaucoup de spells quand même, hein, donc c'est vrai que là il manque un peu de réussite Orange. Et c'est le Villefin qui est pas si mal, hein. Il va permettre de jouer 3 couteaux. 3 créatures. Ouais, 3 couteaux. Donc Hero Power, Villefin, Hero Power et Arme. C'est ça. C'est très très bien. Enfin, à moins que tu veuilles faire ton arme en premier pour pas que toutes tes créatures aient taunt. Bon, ça change pas grand chose, mais. Je crois que le taunt à ce moment-là, il sert pas à grand chose. Hein. Bah, ça dépend si t'as prévu de tout gérer ou pas. Ça dépend si t'as prévu de gérer l'Okonai ou pas. Je crois que t'as prévu de le gérer pour éviter le top pour éviter le cercle, ouais. Après, tu perds beaucoup de dégâts. Et tu lui repermets de se soigner. Ah, ce trade, il est dur. Mm. Il est dur à faire parce que. T'as pas envie de le faire, ouais. T'as envie tu d'aller faire Pyro là. Mm. Ah, tu prends Pyro là. Ouais. Ah là. Oh, oh là là. Il va prendre un gros Pyro. Ouais, Orange, il se dit, oula, je suis bien là. Mm. Je suis très très bien là. Bah, les points de vie commencent à descendre, hein, tout de même. Ouais, mais. Mais il peut gérer zéro board et non, il y a. Non, là c'est parfait. Ouais. Franchement, c'est il y a zéro carte Orange. En main. Non, ouais, là, c'est... Mais heureusement qu'il a géré l'Okonai, hein, parce ouais. Qu'il y avait le top deck cercle. Bah, on va commencer. Un Pyro Shadow. Prend un maximum d'informations. Évidemment, on ne va pas jouer Okonai, sinon ça booste la... le VR. Cercle de soin, tu veux dire. Tu lui as dit quoi? Okonai. Ah oui. Oh, Spirit. Oh, Spirit Lash. C'est encore mieux, je crois. C'est pas mal, hein, Spirit Lash. Ouais, je crois que c'est mieux. Ça permet de gérer la 1-3 en plus. Non, pardon, pardon, pardon. Non. En fait, ça fait pareil, mais. Mais ça te soigne un petit peu. Ça te soigne beaucoup, même. Il a pris la potion. Il décide de prendre la potion. Ok. Il se dit que les points de vie sont moins importants que le contrôle du board. Hydrologue qui est arrivé. C'est pas mal Hydrologue. Hein. On a le Kodo de cavale. Ouais. Genre Hydrologue sur Kodo, c'est plutôt chouette parce qu'en plus c'est la 1-3 qui va revenir. Mm. Et elle permettra de rajouter un petit Murloc. Ouais. Ça tourne toujours cet out Megazor qui est incroyable. Rédemption, c'est pas trop mal parce que tu gardes aussi le contrôle du board. Enfin, t'as qu'une 1-1 qui va pop, mais. Ouais, une 1 c'est quand même faiblard. Ouais. Bon, ça rend pas beaucoup de pression. Mais en fait, ça revient au même. Parce que. Ah non, parce que t'as la 1-3 supplémentaire. Si tu Kodo. Tu perds un dégât avec Kodo, mais t'as une 1-3 supplémentaire et avec Rédemption tu gagnes un dégât au prochain tour. La repentance, on n'en parle pas, mais je pense qu'on on en a parle déjà pas. Vu, on a déjà vu Vélène, on a déjà vu Raza, on a déjà vu prêtre du festin, donc toutes les créatures avec beaucoup de vie du prêtre ont été passées. Ouais, je serais étonné qu'ils prennent repentance. Mm. Mais Getaway Kodo, ouais, ça ouais. Me paraît être le plus cohérent. Ouais, ça. Et il va perdre un dégât, mais il va avoir une 1-3 supplémentaire sur le prochain tour. Et un token supplémentaire aussi, du coup. Parce que tu pourras Hero Power, token. Ouais, c'est Hero ça. Power. En fait, ouais, c'est ça. Il a une créature de plus. Alors, Lyra. Ça peut être le début de quelque chose avec le cercle, hein, mais. Est-ce que la potion de feu draconique est pas plus safe? Je crois pas. Ah, j'aime bien Lyra tout de suite. Hein. En plus, t'as le body 3-5, donc ça veut dire que si Oij il pioche une mauvaise draw, genre une créature sans impact dans la partie, une cuillère d'argent, il pourra pas tuer la Lyra. Ouais, un petit Murloc qui a pas d'effet, genre un Code Light, un truc comme ça. Waouh, c'est safe ça. Alors là, on est dans la safitude absolue. Hein. Why not? Le souci de faire ça, c'est que tu te reprends le même board en face en fait. Sauf qu'il a une draw supplémentaire Orange, donc il peut peut-être Lyra. Parce que s'il fait Lyra cercle de soins et que c'est le contrôle mental à 10, ouais. Ben, il est un petit peu rect quoi. Allez, Hero Power, le 1-3, re-Hero Power, et puis on peut jouer ce War Leader. Le winning play, c'est dur de juger de winning play, mais le play développant avec la Lyra, ça pourrait lui porter préjudice ici, surtout qu'il y a eu un petit War Leader de piocher. Si tu veux setup létal, t'es obligé de jouer et le Murloc et le War Leader.
Parce que il y avait un monde où tu pouvais faire. Ah oui, pardon. Il y avait un scénario où tu pouvais avoir tes trois Murlocs on board et puis garder le War Leader en burst, en surprise. Et sauf que là, ça rentrerait que 9, donc ça suffirait pas. Il est obligé de le jouer s'il veut setup létal et donc il va le faire. C'est une belle lecture en plus de la main d'Orange. Ouais, et ben va falloir pas avoir contrôle mental sur Cercle de Soins, sinon ça va être la fin. Ça, c'est Pin pas Size bon. Potion, ouais. Pas bon du tout ça. Bah disons que c'est à 1, donc pas ça bon se... du tout ça. Ouais. Thanos. Faut être un petit peu plus talentueux, Orange, là, sur les top decks. sur le high roll de la Lyra, malheureusement. Et on est deux off létal. Les deux armes sont passées. Ah, Corridor Creeper, c'est pas létal pour Oige. Ouais, mais tu peux double trade la 3-5. Oui, de toute façon, tu t'uniras. Ça, c'est pas une question. Tu laisses le Thanos, je pense. Et tu Corridor. Ce qui est intéressant pour Oige... le Thanos, parce qu'il y a déjà le Spirit Lash qui est passé. Donc, Est-ce qu'il y a... Ouais, il est déjà passé, c'est pas oui, que oui. Je sais pas ce bêtise. Non, il l'avait en possibilité de pick dans une ça. Shadow exact, Vision. Exact, mais exact. Il ah, donc pick. Il est pas passé. Ouais, donc ça... ouais mais. Ouais, mais quand bien même il accomplirait pas grand chose, il tuerait rien. Mm. Il gagnerait juste beaucoup de life. C'est peut-être le souci, mais finalement il perdrait 3 dégâts. Ouais, j'aime bien envoyer les 2-3-1 dans 3-5. Je rentre 6 face et je suis corridor et pouvoir. Et puis là, Oige, il a l'information que le dernier spell qui a été donné par Lyra est pas jouable. À Orange était pas jouable pour 4 mana, donc il coûte forcément 4 ou plus. Ou alors c'est un spell qu'il voulait pas jouer, genre un truc un peu nul. Ouais, mais même nul, tu le joues quand même à 4. Hein, ouais. Donc c'est dur. Hein. Ni ça aurait pu être Shadow of Death par exemple. Mm. Voilà. Il pouvait pas jouer. Ah, il décide de trade, ok. Holy Smite, ouais. Ça a l'air d'être. C'est le jumeau de Oige. Ouais, ça a l'air d'être la même famille en tout cas. Ouais, non, c'est son jumeau. Hein. Attention. Le Destrier à pointe qui, s'il arrive à survivre ce tour, sauf que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. S'il fait châtiment sacré sur la 3-2, il n'est point mort. Ouais, il n'est pas mort. Deux off encore pour Oige. Ouais. Et il peut Murloc et booster son Murloc. Et prochain tour, il pourra War Leader et il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de comeback hein, pour si le létal n'est pas top deck maintenant, ce qui est possible aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un deuxième Megazord, ou Faveur Divine qui donnerait létal. Parce que tu vois, le Destrier, tu peux quand même le taper. Hein. Mm. Si t'as un gros board. Attention, ouais, là, c'est des draws qui sont très importantes. Hein. 12 cartes. Potentiellement des draws à 250 000 $. Et je crois que c'est le Bourne Ninja qu'on a aperçu. Ouais. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon. C'est pas bon, pas bon, ouais. Au moins deux fois. Hein. Sauf que là, tu sais que dans ton deck, il te reste un Destrier à pointe. Et tu sais que ton adversaire vient de te voler 3 cartes. Donc là, tu vas essayer de prendre un maximum de trade, hein, probablement. Non? Ouais, peut-être. C'est trop dur parce que. En fait, là, oui, tu tournes autour de tes cartes. Ouais. Dans tes cartes, il y a pratiquement que de la daube à part le Destrier. Ouais. C'est dur. Mais il a eu pas mal de chance. C'est une chance sur 4 d'avoir le Destrier à pointe parce qu'il te restait 12 cartes dans le deck au moment où il a fait la dévoration mentale et il a volé 3 cartes. Donc. Ouais. 3 chances sur 12, une chance sur 4 de l'avoir récupéré. C'est ça. Tu peux faire full trade, hein, 5-5 dans 3-4 et t'envoies les deux dans la 1-5. Tu joues ton Finja. Tu prends c'est pas ridicule. Tu prends une AOE, ben, tu reviens plus jamais probablement. La potion de feu est déjà passée. Il y a Kazakus qui est pas passé. Il y a le Cri Psychique qui est pas passé. Ok, on est sur un homme qui pose ses balls. Il a posé ses balls sur la table. J'aime bien ce play, hein. Oh là là, ça c'est bon. Ça c'est très 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 bon. Parce que Orange il va pouvoir. Ouais, faire son War Leader, faire son Destrier à pointe. Enfin, il peut tout jouer en fait. Il peut jouer toute sa main. Ouais, il va 3-5 dans 3-3. Il peut 3-4 dans 3-3 et tuer le Corridor Creeper avec le Murloc et le soigner. Ouais, là je crois que ça. Quand il fait cette tête, oui, je sais que. C'est genre. Saucique. C'est la tête du saucique là. C'est la tête de la saucique.
Et tu peux même te permettre de soigner ta 3-1 ici. Ouais. Vu que c'est le board qui va compter, parce qu'il passera jamais la 6-11. Si, il peut passer la 6-11, il a encore un out, c'est gentil Megazord. Ah. C'est vrai, non mais t'as raison. Non mais gentil Megazord qui donne toxicité, il est bien. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non mais clairement, je pense qu'il est bien, mais il est pas mort. Bah alors si ça avait donné toxicité, une 1-1 trade la 6-11, le Bomb Ninja trade la 2-6. Ouais. Ah, c'est solide, hein. Ah, c'est dur pour Oige, hein. Il a eu un seul appel aux armes. Mm. Il a eu deux mauvaises armes. Quand même, ça se joue là. Hein, parce que Orange, il était pas loin de perdre. Et vraiment, les armes ont été catastrophiques avec la provocation. C'est vrai que si les armes donnent les recrues de la main d'argent, les plus 1 d'attaque, c'est plus la même game. Hein, clairement. Après, il a bien joué Orange. Hein. Franchement, il s'est pas pressé. Il a attendu. Il a fait vraiment les plays au. Il s'est jamais commit au bon en fait. Moment. Et voilà, il s'en sort bien parce que vraiment, oui, j'ai pas du tout bien pioché. Bon, ouais, un tonne de plus. Histoire de dire. Là, il va pouvoir trade 3 Murlocs. Donc, on a encore un out gentil Megazord Toxicité hein, qui est intéressant, qui donne pas létal, mais qui est intéressant. Ah, je sais pas s'il a pas envie de setup létal aussi quand même. Tu vois, il peut en sacrifier 2 et 6-11 face. Hein. Je pense que t'as besoin de te dire s'il y a pas Megazord à ce moment-là, j'ai gagné. J'aime bien full trade. Enfin, au moins en trade 2 après la 6-11. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle a envie de rentrer face. Ouais, je pense que la 6-11, tu l'envoies face. Ouais, je pense. Là, c'est terrible pour Oige parce qu'il a aucune réflexion à avoir. Il se dit juste, j'ai. Enfin, il les connaît, ses outs, et il a juste à attendre sa pioche. Il n'y a que le suspense qui compte pour lui là. Bon, il décide de trade, il se dit qu'il gagnera dans tous les cas. Mm. Là, cette fois, il se heal. Ouais, parce qu'il a assez de créatures pour gérer. C'est un appel aux armes. C'est un appel aux armes. Au moins, ça va filtrer le deck. Ouais, mais je crois que. Des rares mauvais top deck restants. Donc là, il lui reste 6 cartes dans le deck. Donc au prochain tour, il a en top deck possible Destria à pointe, Tarim. Tarim pourrait être bien aussi. Hein. Destria à pointe, ouais, Tarim. Les deux corridors creepers sont passés. C'est peut-être aussi Tarim. Hein, pour, ouais. Le trade peut être intéressant sur Tarim. Ouais, exact, je me suis trompé. Et. On a vu les deux protectrices. Le Anduin qui n'est pas jouable. Ou alors faut suicider son 3-2 d'abord. Ah tu peux en fait si. Tu fais ouais trade tu suicides ton War Leader dans une 2-3 et tu fais Anduin. Ouais ça serait super. En te soignant d'abord bien sûr. Ah non. Ah s'il fait ça, ça veut dire qu'il va pas Anduin. Il va garder son Anduin. Je crois que t'as vu un play qu'il n'a pas vu et qui est meilleur. Mais non, non, en vrai, ça me choque pas non plus de faire ça parce que là, comme ça, il garde son pouvoir héroïque de soin jusqu'à la fin de la partie. Ouais, mais. Mais c'est vrai que les petites 2-2 peuvent. Enfin, les petits 2 points de dégâts peuvent trader le board, quoi, aussi. Allez, Tarim, on en parlait. Non, mais franchement, je crois que ton play était au-dessus. Hein. Mais il est dur à voir. Je l'avais pas vu comme ça. Ah, parce que tu tradais ton Murloc perdait 2 donc il passait à 4 ouais, en non, attaque. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était bien l'Anduin là. C'était clairement bien. Quoi qu'il arrive, alors par contre, je sais pas si Bourm Ninja ramène encore des Murlocs. Hein. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Si, il reste un War Leader, je crois. Ah, il reste peut-être un War Leader. Bien ouais. Vu. Bien vu, bien vu. Cet Anduin aurait été intéressant là sur le prochain tour. Hein. Ouais. Il y a un petit comeback de Oige. Elle est cool cette game. Hein. Elle est intéressante. Ouais. Parce que mine de rien, même si les deux joueurs sont en top deck depuis un moment, eh bien les décisions vont pas se passer sur la main, mais vraiment sur le board, sur la conquête du board, comment on gère tout ça. Et ouais, c'est le Bourm Ninja qui va prendre le trade. Et il reste un War Leader normalement, comme tu le disais. Effectivement. Et il a pas trade. Ça c'est bien. Ça c'est très 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 bien. Et là, le Anduin il est monstrueux. Ouais.
Voilà, il scelle la game en fait. Là, il scelle la game. Il l'a peut-être en fait, il l'a peut-être vu et il l'a gardé. Mm. S'il y avait Tarim, c'est intéressant. Après, je pense que même si ici il le joue avant, il rase quand même le board avec son Shadow of Pain. Mais en soi, là, ça scelle la game. Bien fait. Je serais curieux de savoir si Orange là. Bien fait. Si... Non, c'est bien fait quoi. Oui, oui. Je serais curieux de savoir exécuté. Si Orange a vu le play et il a et décidé de se de dire pas le faire volontairement. Cette chaise. ou si il l'a tout simplement pas vu, c'est. Je pense qu'il l'a vu, mais quand même, c'est pas évident. On lui passera un petit tweet. Ouais, mais avant, on lui demandera. Vous pouvez évidemment lui demander sur Twitter. Et donc voilà, on rappelle les deux bans qu'il y a eu, les deux joueurs qui ont des line-up quand même assez agressives. On l'a vu avec ce Murloc Paladin chez Oige. Orange, lui, qui a un chasseur. Orange a ban le prêtre de Oige et Oige a ban le démoniste de Orange. On pourrait justement voir un petit peu les decklists. Par exemple, voir la decklist chasseur de Orange, si on l'a disponible en régie. Ouais. Les decklists de Orange, si possible. Magnifique. Parfait. Et ouais, donc Orange qui est un chasseur et Oige qui est un Murloc Paladin. Pour le moment, ça marche pas trop bien pour Oige, son Murloc Paladin qui perd contre le prêtre, contre un de ses meilleurs match-up en tout cas. Et voilà, et on voit le Aggro Hunter. Alors, le Aggro Hunter, pourquoi il a été ramené par Orange? Globalement, c'est pour challenge les rogues. Ouais. Il va être très très fort contre Rogue avec notamment les deux Golaka. Et puis contre Démoniste, il s'en sort pas si mal hein, grâce au Brissor. Il y a un Brissor et puis le deck est tellement agressif ouais. que. Qui peut gagner avant T5 en fait. Tout à fait. On va voir la petite interview normalement de Orange. Et oui, on s'en souvient. Magnifique victoire de Oige. Sur Ender. Très sympathique hein. Je le connais pas personnellement mais il avait l'air sympathique. Et oui, ils ont train ensemble sur Ender et Oige. Not just he wanted, he promised his teammate Hoy that he would win the tournament so they could not face off in the group stage of the World Championship. He kept his promise. He is the champion. 일단 호이 선수를 호이랑 맞는다는 거 자체가 16강 일단 우리 그 조별 그 뭐야 조별 그룹 매치에서 만나지 않거든요. 그룹 매치 통과하고 8강부터 만나게 되는데 8강 지나서 그러니까 8강에서 호이를 만났는데 호이 만약에 제가 이긴다면은 전 4강에 진출하는 거거든요. 그러면 저는 일단은 기분 좋지 않을까 싶은데요. 근데 조금 미안한 마음이 있을 거예요. C'est une véritable bromance entre les deux. Dis donc. There's so many good players this year, like there's so many no names, so it's definitely gonna be difficult, but I think I have a good shot at it. Ouais, de toute façon, on a vu et on verra au fur et à mesure de la compétition qu'il y a beaucoup de duos qui sont créés pour s'entraîner. Et souvent, c'est des joueurs de cette même compétition. Mmh. On sait qu'Orange a pas mal traîné avec Purple. Avec Purple. Et, oh, j'ai sur Ender, on le voit ici. Muzzy et Frozen qui ont pas mal traîné ensemble on aussi. On doute que Colento s'est pas mal entraîné avec Nerea. Avec Nerea, ils se connaissent depuis très très longtemps. Tout à fait. Et ils sont tous les deux ukrainiens en plus. Ça peut aider, hein. Ça peut aider, effectivement. Et voilà, donc sur Ender et Orange qui ont fait leur petit pronostic en fonction des phases de groupe pour savoir quand ils allaient se rencontrer, si ils allaient se rencontrer. Et voilà, donc on rappelle, on est sur le match Oige contre Orange et le vainqueur aura toujours sa chance pour la suite. Exactement. Par contre, celui qui va perdre ici sera définitivement éliminé des Worlds et on aura le premier éliminé de ces Worlds. Ouais, c'est ça, vu que c'est la première poule finalement. Mmh. Voilà, ce serait un peu cruel hein, pour l'un comme pour l'autre parce que. De toute façon, voilà, les 16 joueurs méritent. Il y a eu là. Une grosse préparation et tu joues deux matchs, mais après, voilà. En fait, finalement, c'est un an de Hearthstone à fond qui. Qui part un petit peu en fumée, alors pas totalement parce que t'as 25 000 dollars quand ouais, même. Hein. 25 000 dollars plus que t'as gagné évidemment oui. Avant parce que tu t'es qualifié sur plein de satellites de tournois. Ouais. Donc t'as gagné pas mal, mais voilà, t'as sacrifié un an de ta vie pour un jeu.
qui est beau, aussi beau soit-il. Et voilà, donc Purple, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on fait le groupe A et le groupe B. Purple commencera sa compétition vendredi demain. Et il jouera son premier match contre Sintolol, le joueur allemand. Et ça va être très dur, hein, parce que Sintolol, on en parlait tout à l'heure, il est vraiment à fond. Ouais, ce sera, je crois qu'on aura l'occasion de le caster. Je crois. Ça va être le premier match demain. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment le match à suivre. Donc demain, mettez votre réveil. Si vous avez le boulot, vous appelez votre patron, vous dites que vous êtes arrêtez malade, de travailler. Non, vous arrêtez de travailler directement. Vous ne loupez pas le match, il n'y a pas moyen. Allez, c'est parti. Deuxième game, on est avec le voleur côté orange contre à nouveau le paladin Murloc de Hoyge. Et pour le coup, le voleur tempo, il a plutôt un bon match-up contre les agros, donc contre ce Murloc paladin. Ça dépend de sa sortie, et là il a la pièce et le SI7 qui est la meilleure combinaison anti-agro. T'as capitaine qui ramène Neneuil, t'as le petit fiefé, t'as le flamme teint sur tour 1. Là il a une super main orange. Il te manque que backstab et. Oh, ça bon. Une mauvaise rôle. Mais tu préfères piocher ça que Neneuil quand même. La main de Orange est vraiment extraordinaire. Ouais, et la main de Hoyge, elle est. Pas ridicule. Elle est un peu late, elle est un petit peu presque late game en fait. Bah, tour 1, déjà, t'as rien joué. C'est compliqué quand tu joues aggro. Après, il a cet appel aux armes. Cet appel aux armes qui est vraiment, vraiment très fort. Et là, c'est assez bien vu pour Orange. On aurait pu se dire, allez, je joue Firefly, comme ça, quand j'arrive au T3, mon Neneuil sera de 2. Et s'il avait fait simplement Firefly, le jongleur de couteau aurait pas été tradable on board. Après, il avait toujours le pièce SI7. Ou... Puis là, il récupère un truc magnifique. Hein. Il cette arme-là, une on très rappelle belle arme, pour 3, c'est une 1-5. À chaque fois que vous jouez une créature, elle prend un marqueur +1/+1 sur elle. Et elle perd un de durabilité. Et l'arme perd un de durabilité, donc ça fait que finalement. C'est un +5/+5 réparti sur super plusieurs bien, créatures. Franchement, c'est une des meilleures qu'il pouvait avoir. Surtout que le fait que ce soit le 5 de durabilité, ça te permet de trade toutes les petits tokens sans perdre les 2 manas de refresh la dague à chaque fois avec ton pouvoir héroïque. Donc très intéressant. Et là, on est déjà embêté du côté de Hoyge parce qu'on n'a rien à jouer. On va peut-être juste jongleur et le sacrifier, mais c'est sale. Hein. C'est très très sale. Hein. Surtout que tu peux prendre pièce SI7, pièce capitaine. Ouais. Ça semble mal parti pour le joueur danois là. Et sa perruche. Il a une perruche, hein, voilà. Non, mais c'est quand même super rare. Les gens qui ont une perruche chez eux. C'est vrai. On l'a vu pas mal de fois justement faire des tournois avec sa webcam et il avait sa petite perruche. C'est vrai que quand il avait joué à baston aussi, il avait sa petite perruche à côté de lui. Sky is toasted. Le gars est toasté. Ouais. Et cette arme là, malheureusement, c'est pas une lame de ralliement, donc ça ne tue pas de 3-3. Et non. Et ça, c'est très, très embêtant. Et cette faveur divine qui aurait été si forte dans la game précédente, c'est ça. Qui était bloquée au fond du deck. On va jouer le War Leader à poil. Le War Leader qui ne ramène pas de Murloc Neneuil. Ce serait fort quand même, un petit Murloc qui fasse comme Neneuil. Oh là là. Oh là là, Orange. Orange, il a rendez-vous avec son talent sur ce loser bracket. Donc tu peux faire KL7, pas de l'ombre, KL7, Firefly et trade, hein, simplement. La suite de la game va être largement en ta faveur, hein, si tu fais ça. Je sais pas trop. Je pense que j'aime assez KL7, mais je sais pas s'il faut pas garder Shadow Step. Peut-être j'aime bien KL7. Pas de l'ombre le 3-3 et mettre 2 dégâts sur le War Leader et t'envoie le Neneuil dedans, ça fait que t'as un board qui est beaucoup plus pu. En fait, tu t'en fous d'avoir plein de. I have a good history of performing well under pressure, and I've just been keep doing so. So I guess to some extent that I do perform better under pressure. Ok, pardon, très bien. Tu disais. Magnifique. En fait, c'est mieux d'avoir un board plus puissant qu'avoir des +2/+2 dans ce match-up là, parce que finalement, tu t'en fous un petit peu de ta draw. Ce qui est important, c'est le moment présent. Oh le backstab, c'est une excellente draw encore une fois. C'est parfait. Mais oui, tu vas nous dire évidemment ce qu'a dit. Il disait que ça faisait un moment qu'il faisait des tournois et qu'il perfait un petit peu, donc il avait l'habitude d'être cassé et donc il a moins la pression qu'à une certaine époque où ça pouvait lui coûter des matchs. C'est vrai qu'Orange, c'est un joueur qui a commencé les tournois très jeune et qui avait été assez sensible à la pression au début de sa carrière.
Ouais, et là tu gères tout et Hoyj il a pas de consécration il dans était son deck. Chez, dans l'équipe d'Arcon avant. Ouais. Avec avec Purple d'ailleurs. Attends, je dis pas de bêtises. Si. Si si. Bah est-ce qu'ils y étaient en même temps? Si si. Parce qu'ils ils y sont tous les deux passés, si, c'est si, sûr. Firebat, mais... Orange et Purple. Ouais. Oui, exact. Ouais. Ah ouais. Et Zalae, il y avait Zalae. Ouais. Zalae qui a sorti un magnifique Druid Cthun ces derniers jours. Il y avait Backspace aussi. Max Payne. Backspace. Backspace. Max Payne. Il y avait Max Payne. Il y avait Max Payne, duo de. Ah, attends, l'arme rouge, est-ce que c'est pas celle qui donne le bouclier divin? Chat. Où êtes-vous? Là. L'arme rouge. L'arme, c'est bouclier divin, il me semble. Et pas l'armée rouge. Hein. Oui, non, ça c'est encore autre chose. Ah là là, ce board, on est T4, il a un board monstrueux, le voleur tempo. Mimi Tokyo me dit oui. Ah, merci bon, Mimi. Merci Mimi. Donc tu pourrais faire Grimscale, le Corridor Creeper et l'arme, du coup, pour protéger un petit peu ton board existant. Ouais, c'est ça, c'est le bouclier divin. Paf. Et là, on peut presque aller tout droit maintenant. 5, 6, 7, 8. On peut peut-être faire un petit value, mais... On peut l'arme. Jouer l'arme à 3. Il y a moyen que tu gères pas le Corridor Creeper. Par contre, peut-être que la 2-1, tu peux t'en occuper. Oui. Je crois que j'aime bien le play... Non, j'aime pas. Si, j'aime bien. Tu joues l'arme. J'ai un play très chelou, moi. Vas-y. Tu joues l'arme, ouais. Tu tapes dans le bouclier. Ouais. Tu joues le flamme-tin, enfin les lames de flamme. Qui passera 3-3 dans 2-1. Ouais. Tu rentres 5 face. Ok. Je peux donner un play quasiment pareil, mais un peu différent. T'es autorisé. Merci, chef. Dag. Donc, pas l'arme. Dag. Tu fais exactement les mêmes trades. Donc. Et après tu équipes la Sword of Justice. Ça veut juste dire que tu mets pas le Flame Elemental sur le board, ouais. Donc tu le gardes pour activer une potentielle combo avec Ménestrel, avec Villepine, ouais. Avec tout ça. Et ouais, mais et au moins si tu consommes pas de durabilité de l'arme en plus. Après là tu prends mieux le board. C'est l'avantage. Il a joué vite, il a écouté mon play, il a pas eu le temps d'écouter le tien. Mais s'il avait entendu. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais en fait t'es dans l'urgence ici quand même malgré tout. Donc avec le Leroy en main qui est, enfin qui peut être une très bonne draw si tu vas fail, sinon c'est une draw morte. Et la bonne mère, tu vas pas la jouer avant deux tours. Donc je pense que t'as quand même besoin de te dire, bah prochain tour en fonction, je peux setup létal quoi. L'œil pour œil non, la rédemption, le noble sacrifice. La rédemption paraît pas ridicule. La rédemption paraît... ouais, elle est intéressante. Et un petit provocation. Ou Divine Shield. Divine Shield, c'est bien, ça protège ton truc. Là, de toute façon, ton Corridor Creeper va aller tuer le Capitaine des Mers du Sud adverse. Et ton arme, probablement le Kélesset. Donc, le plus 1 plus 1 est bien, hein, ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, Corridor Creeper dans 3-1 et Arm dans 2-1. À moins qu'il veuille envoyer le Corridor Face. What? Il voulait absolument se débarrasser de ce flamme-teint, apparemment. Ok, ok. Leroy Jenkins a setup létal. Ouais. Oui. Oui. Il prend plus 1, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Attends. Oui, c'est ça. Exact létal. Bah, ça fait 2-0 pour Orange. Mais s'il avait pas pris le trade sur le capitaine, enfin s'il avait envoyé plutôt le corridor, il était. Il gardait un point de vie en plus. Ouais, mais je sais pas. Est-ce que dans tous les cas, il peut pas se permettre de tourner autour de Leroy, parce qu'il va forcément un moment mourir sur Leroy, parce qu'il a pas de taunt dans son deck, à part les petites 1, mais elle meurt sur la dague. Et dans tous les cas, il est tellement bien en life, Orange, qu'il peut juste faire dague, ping ping, et à un moment faire Leroy pour tuer. Donc en fait, il est ouais, mais je sais pas, parce que... déterminé à mourir dans tous les cas s'il y a un Leroy dans la main de Orange. Donc est-ce qu'il peut pas faire le play en mode bon bah il a pas Leroy et je fais un play comme ça et ouais, après en fait moi ce qui me gêne un petit peu dans son play, c'est que son play à lui prenait pas mieux le board
que si il tapait ailleurs avec son arme et il prenait un dégât de plus. Ouais, c'est vrai que. Parce que si le play qu'il avait fait en prenant un dégât de plus lui permettait vraiment de récupérer bien mieux le board, effectivement, tu tournes pas autour de Leroy. Mais là, ça changeait pas grand chose sur le board. Donc, Pavel, le champion du monde en titre, il est encore champion du monde à l'heure actuelle. Il est encore champion du monde. Dans 4 jours, il ne le sera plus. C'est ça, il faut qu'il profite. Ant. Joueur américain. Qui avait fait forte impression lors de sa qualification. Ouais, c'est le joueur qui monte, hein, clairement. Mm. Ça a l'air classe, le Conference Van Berlaar Center à Amsterdam. Et il y a toute l'équipe Gamers Origin hein, qui est... Qui part demain. Qui part là-bas, exactement. Pour encourager Purple lors de sa finale contre Colento, normalement, si tout est prévu. Ouais. Voilà, si Blizzard a reçu l'argent pour... Normalement, ils ont reçu le chèque, hein, je crois okay. que... Super. Et allez, Orange qui va tenter le 3-0 avec son Hunter. Et Oish qui s'obstine un petit peu sur ce Paladin Murloc. Ce serait assez triste s'il se faisait 3-0 en Paladin Murloc, quand même. Ouais, il a vraiment la main... Ce serait un world, une compétition world un peu tristesse. Ah, il a à nouveau eu le taunt. Ouais, mais pour le coup, le taunt, ça peut être... Dans ce match-up, ça peut être mieux. Ça peut être mieux. Ça peut. C'est comme... Pas fou. Mais bon, après, les mains de taré, hein. La main de Orange, voilà. elle est sublime. Hein. La main d'Orange, elle est... Oh là là. Elle est parfaite, en fait. Plus il peut... Oh là là, il vient de top decker la meilleure carte de son jeu. La meilleure carte d'Hearthstone à ce moment-là, je crois. La taupe ? Ouais, la taupe. Bah, il en avait déjà une en plus. Ouais, mais c'est juste parfait là, tu peux taupe. Tu peux taupe, tu peux taupe et Sire à l'arc. Ouais. Je crois que je préfère un peu taupe Sire à l'arc d'ailleurs. Pour casser le bouclier divin maintenant. Ouais, je crois aussi. Quoi qu'il arrive, tu vas utiliser ta pièce, on est d'accord. Je crois. J'aime bien taupe, Sire à l'arc. Comme ça, au prochain tour. Tu peux en vrai, les deux sont viables, ouais, mais. Non. J'aime bien le Sire à l'arc. Mais la taupe, elle est tellement forte cette carte-là, ouais. Dans les agros, elle remplit super bien la curve à n'importe quel moment. Elle est trop. C'est ça, avant on jouait un peu les chats de gouttière par défaut, mais la taupe est bien meilleure. Ouais, clairement. Je voudrais pas porter la poisse à Hoyge, hein, parce qu'il peut encore clairement gagner la game. La partie n'est pas finie. On est qu'au tour, voilà. Quand même, c'est loin d'être fini. Hein. Au vu des deux mains. On donnerait quand même un bel avantage à Orange. Ouais, mais en vrai, ça veut vraiment rien dire. Parce que s'il y a un seul appel aux armes du côté de Oish qui est joué, c'est genre, il reprend complètement le board. Ah, mais t'imagines c'est pareil, là... tu vois, s'il a un mauvais, une mauvaise découverte. Ouais, mais si Orange, là, il a le +1/+1, mais c'est Pluton avant l'heure. Non, parce qu'il y a encore l'arme et tout. Franchement, les oh, 3, plus 4, 1, plus 1. Les 3-4 premiers tours ne veulent pas dire grand-chose, même si tu prends un peu le board. Ce serait quand même... Ce serait quand même un mauvais jeu hein, si tour 1 t'avais déjà gagné avec évidemment, ta main. Évidemment. Je pense que c'est pas ça Hearthstone, heureusement. La lame de ralliement. C'est ce qui manquait à la game précédente. Pour ouais. Le coup. Du coup, c'est lame au-dessus de. C'est lame au-dessus de l'arme. Hein? Non, je pensais à l'âme, la chanteuse. Oui, moi aussi, c'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est l'âme au-dessus de Vita. Ouais, je crois qu'il faut jouer l'arme ici. La question, c'est laquelle ? Bah, moi, je dirais plutôt la lame de ralliement parce que, comme tu le disais, le taunt, pour une fois, dans ce match-up, ça pourrait avoir un intérêt. Ouais. Plus que le +1/+1 donné au bouclier divin. En fait, le 3 d'attaque, il tue pas grand-chose. Il va pas accomplir grand-chose sur le compagnon animal. À part avec ton petit token qui pourra tuer un Léoc, mais... Finalement, le token va mourir sur l'arme. Donc, c'est très sur le maître chien, la lame de ralliement est mieux. Ces decks là, les decks aggro, quand tu fais une mauvaise sortie, c'est oh là là, c'est casse-tête. Ouais. Bah, les parties sont beaucoup plus courtes, donc la moindre petite erreur peut être fatale. C'est pas une très bonne draw ici pour Orange qui va juste devoir jouer sa taupe et rentrer le pouvoir héroïque. Et c'est la mamie de Orange, peut-être. Ça fait plaisir. Bah, elle a l'air d'avoir le sourire, donc à mon avis, c'est plus la mamie de Orange que celle de Hoyge. C'est ça. Parce que la mamie de Hoyge, elle doit se dire purée, j'espère vraiment qu'il va top deck le call to arms. C'est ça. Je suis sûr, elle est super forte, la mamie de Hoyge. Non, mais c'est sûr. Quand tu vas au championnat du monde, t'as elle est légende. Forcément, elle est...
Bah elle, au moins elle connaît le jeu quoi. Moi je pense qu'elle est légende la même de Hoyge. Je sais pas, mais elle est au moins rancesse quoi. Ok, pas de pouvoir héroïque. Non, on est pas dans un match-up où c'est le burst qui va compter, c'est plus la prise de board. Donc tu préfères développer le Cyr à l'arc, je suis assez d'accord. Par contre, t'aurais été contre un prêtre ou dans un autre match-up beaucoup plus contrôle, par exemple, on aurait préféré le Hero Power au Cyr à l'arc. Bon, on va jouer la 2-1 et on va lui donner un peu d'endurance. Ouais. Et on va trade la 2-2. Ouais. Tu vois, il y a des comebacks, hein, franchement, sur le Megazord au prochain tour. Sur l'appel aux armes, moi je vois Hoyge un petit peu devant ici. Hein. Moi je vois Orange devant. Il a un beau corridor par rapport au draw, qui va arriver. Enfin, par rapport au draw, ouais. Évidemment, s'il continue à piocher des espèces de cartes qui n'ont pas d'effet, ça va être compliqué, mais. S'il pioche les cartes de son deck bonne. En tout cas, il a besoin qu'elles soient bonnes to be alive. Le. Call Lightseer. Le souci, c'est plus que tu sois très fier de ta vache. On voyait pas, mais il a un sourire là, ça va jusqu'aux yeux. Le petit Call Light, c'est beau ça, ça trade. Ah, c'est une mauvaise draw ça encore. C'est une mauvaise draw, ouais. Effectivement. Bon, après, il va quand même pouvoir jouer une 5-5. Hein. C'est devenu normal de jouer une 5-5 pour 0 maintenant, mais là, une 5-5 pour 3, ça reste un très beau roi Mukla. Ouais, enfin, c'est même pour 4 mana parce que ça remplit toute la curve. Mais ouais, 4 mana, t'as qu'un 5-5. C'est un Yeti un peu vénère, quoi. Qui est une bête quand même. Un Yeti vénère, ouais. Ouais. Un Yeti phallique. Typhalique. Pourquoi pas. Oh là là, ça, c'est une super draw, effectivement. C'est là où Hoyge va avoir un avantage par rapport à Orange, c'est sur le fait que lui a de la pioche dans son deck, en tout cas des choses qui vont recycler son deck, les appels aux armes, les faveurs divines potentiellement, le Bourne Ninja qui va sortir des cartes du deck, que Orange n'a pas. Ouais, ça va clairement être une bonne draw. Mais enfin, des bons outs. Ce qui est cool là dans ce BO, en tout cas pour nous spectateurs, c'est que si Hoyge gagne, on va revoir une game de chasseur. Oui. Et vu qu'on n'en verra pas beaucoup pendant ces 4 jours, bah on n'en voit pas en ladder, donc on n'en voit pas en tournoi. Donc là, on en voit une, ça suffit. On n'en verra probablement plus dans les 3 prochains mois, avant avril ça. En tout cas. Mais alors, il faut savoir que si vous avez. Alors, je vous recommande d'aller voir la petite vidéo que j'ai sortie hier. À la fin, on dit que Ben Brod a annoncé, il a commencé à teaser. A priori, il y aura un rééquilibrage après les championnats du monde. Alors, on ne sait pas encore quelle forme il prendra. Est-ce que ce sera du nerf? Est-ce que ce sera des nouvelles cartes? Bon, même ça on n'y croit pas trop, évidemment. Hein, il préfère se limiter au moment des extensions pour ça. Mais en tout cas, c'est pas impossible qu'il y ait des nerfs juste après les Worlds. Oui, et on ne parle pas des... Des pistolets avec les. Avec les petits, à la mousse. Mousse, ouais. Des petites mousses, ouais. Mousse Francis. Alors, je pense qu'on veut. Est-ce qu'on trade la 2-2? Est-ce qu'on face? J'aime bien trade la 2-2. Attends, si tu trades. En fait, ça enlève un peu la force du Megazord, quoi. Ah, parce que là, le Megazord s'y tombe. Donc là, ouais, c'est Hydra's tour. Prochain tour, ça pourra être Houndmaster, Hero Power. En vrai, s'il trade la 2-2, il empêche Hoyge d'invoquer avec son bombe ninja. Ouais. C'est fou quand même. Donc très bien vu là pour Orange. C'est un vrai leader top decké. Ah, du coup, il va pouvoir sortir des murlocs du deck avec bombe. Yep. Ah, il va le faire. Hein. Bourbi. Le bourbar. Le bourbar. Non, il va le faire, c'est superbe, surtout derrière. Ouais. Il peut Villefin et Hero Power. Il peut Villefin et Hero Power, il aura un board monstrueux. Et l'adversaire sera obligé de gérer le War Leader, ouais. Voire les deux, parce qu'il peut y avoir deux War Leaders. Après, Orange peut top deck létal. Donc là, c'est une des meilleures top decks qu'il pouvait avoir. Bon, la meilleure, ça aurait été évidemment le Destri à pointe. Là, Orange peut top deck létal, faut pas l'oublier quand même. Si top deck tranche gueule qui donne Furie des Vents, plus Maître Chien, c'est létal. C'est létal. Et ce serait assez incroyable. Et là, c'est magnifique. Ah là, le board, il est monstrueux. Mon monstrueux. Oh, Kill Command. Ça y est, on connaît le plan de jeu pour Orange.
Maître Chien, Hero Power, on va full face. Je sais pas. Non, je crois pas. Bah t'as une autre, t'as un autre play viable. Je crois que tu peux kill command sur une 5-3, trade avec ton hydre la deuxième 5-3 et tag dans la 1-1. Je crois que c'est mieux. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir reprendre le board? Bah tu laisses que 2-1-3 et toi t'as une 8-5. Mais alors si tu fais Maître Chien Hero Power, tu mets 10, 11, 12, 13, donc ton adversaire est à 8. Donc au prochain tour, t'as l'étal sur... Ah ouais, non, effectivement, t'as pas l'étal sur deuxième kill command. Ouais, puis tu meurs sur un peu toutes les cartes du jeu quand même. Non parce que t'as un gros taunt quand même à passer. Ouais, un gros taunt. Ouais, j'aime bien tout trade. Ok, bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas en vrai envisager le clear. Ça me choque pas d'aller full face, hein. C'est un play qui j'apprécie quand même, mais là en vrai, tu laisses quand même rien sur le board. Hein. En fait, moi ce qui m'embête, c'est que certes, il laisse pas grand chose sur le board, mais c'est des cartes qui peuvent quand même lui rentrer beaucoup de dégâts. Ouais, mais avec, il a plus de cartes en main. Rockpool. On peut jouer toute la main. Avec le Hero Power. Ah, c'est pas bon hein, pour Orange. Hein. Là, pour le coup, Orange repasse devant pour moi. Mm. Donc, c'est encore Arme que... et 2-4 dans 8-5. Et Hero Power et Rock Pool Hunter. Ouais. C'est chaud. Showtime. Ouais, c'est vraiment chaud là cette game. Il a vraiment une très bonne main là en fait, finalement, Orange. Avec son Hydre. Mm. Il peut curver Hydre, Hero Power. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il va pas aller full face? Franchement. Et ignorer l'hydre, pourquoi pas? Il rentre 6, il met l'adversaire à 18. Ouais. Sur Megazord, il gagne. Sur une 1 taunt, il gagne. Ouais, il gagne. Il est bien. Quoi. Il est ultra bien. Sur Appel aux armes, il est pas mal. Ah, il va trade. Il va prendre le trade. Le face ne me choquait pas. Oh putain. Leroy 6, 7, 8. Hydre pouvoir héroïque. Hein. Et s'il n'y a pas de draw en face, de bon draw, t'as gagné. S'il fait Hydre pouvoir héroïque, est-ce qu'il est pas mort? Non. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, ah, y ça, a fait pas que, ça fait que 12. Non, il gagne au prochain tour s'il n'y a pas de top deck du côté de Hoïch. Donc c'est une bonne draw, ce Leroy. C'est une bonne draw, effectivement. Va falloir piocher là, va falloir bien piocher Oiz. Hein. Pas de call light, pas de carte comme ça. Oula. C'est pas le deuxième rock pool si ouais. Qui arrive. Bah c'est fini. Hein. Bah c'est terminé ouais. More on board. 3, 4, 5. Oh. C'est dur hein. Ouais. Swage il est vraiment sympa. Il s'est fait. Non mais t'as pas envie que les mecs sympas. Oui perdent, bah oui évidemment. On aurait préféré que Amnesiac perde rapidement, mais... Non, pas lui, quand même. Mais bon, il est pas au World. Non, mais genre un mec méchant, quoi. Je sais pas. Il y a pas beaucoup des mecs vraiment méchants. Si, mais il joue pas Hearthstone. Faudrait un mec méchant qui joue pas Hearthstone, là. Balkany. Il est pas méchant. Bon, ah, t'as rien fait. Bon. Ne le juge pas. Captain Demago. Alors... Ouais, ah et là c'est là terminé. Hoïch qui se sera fait 3-0 son paladin Murloc. Un peu triste. J'ai mis un coup, je me suis la chaise qui part. 3-0 donc pour Orange qui a validé sa line-up assez proprement hein, quand même. Très dur. Il a fait des places incroyables en prêtre Hoïch, notamment. Ça a été très beau. Et donc Hoïch est le premier éliminé de ces championnats du monde. C'est un peu dommage pour lui qui avait remporté, t'imagines, tu qui avait remporté des préliminaries. La dernière préliminaire, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 mois et demi, 3 mois. Le tout dernier, ouais. T'imagines pendant 3 mois. Bon, ouais, avec le petit scotch sur le sponsor. Now that you've taken him out effectively 3-0 and swept him, has your feelings on that changed at all?
I still feel like Hoy was favored in this series, and he was the person I wanted to face the least because of both the reasons you mentioned. We made a promise to each other, though, that whoever wins this match has to make it out of groups at least, so I'm going to try to live up to that promise. Right, now you have to win because you represent all of Hoy's hopes and dreams as well. Did you expect it to go that way, though? I think a lot of people were surprised at the result. We talked a little bit about it before the match. We knew that it was going to come down to the Paladin versus the Hunter. All of our decks, except those two, were pretty good against each other. So like getting a win with the Aggro Druid or the Warlock or me with Priest and Rogue wasn't going to be that big of a problem. So even after being 2-0 up, I wasn't feeling amazing. I knew that it was the Hunter that needed to get it done. But I'm happy with a 3-0. Well, you know, you mentioned Hunter, and that was a class that people weren't really expecting much at the World Championship, but you've played two games of Hunter, and you won both of them, and then you were talking about bringing Aggro Druid instead of it. You chose Hunter, and now Aggro Druid's struggling a little bit. So I think, do you feel validated at all with Hunter's performance today? It's been a roller coaster of emotions, really. I felt confident in Hunter after submitting it, then it dipped a little bit after hearing people's opinions about it, but then I played it like so much the last few days, so just like reassured that it was the correct thing to bring Hunter, and I'm really happy I did, and I think it's actually a pretty good choice for this tournament. Yeah, Hunter, a great support choice, and of course another form of support is your parents watching live. It's the first time Orange's parents ever watched him compete. How much does that mean to you to see them on the world stage like that? It means so much. C'était pas sa mamie, I got alors. To run out and give them a hug right non, before. C'était la mamie de Hoy. Right ouais. Connais pas Hearthstone alors, parce qu'elle souriait quand il se faisait 3-0. Et voilà, effectivement, congratulations to Orange. Bravo à lui qui fait un magnifique 3-0. Frodan lui a demandé un petit peu par rapport à son Hunter s'il était confiant avec ce Hunter. Et il disait qu'il avait hésité pas mal entre Druid, Aggro et Hunter. Il a beaucoup joué Hunter ces derniers jours. Il était assez sûr de son choix, et puis il y a des gens qui lui disaient qui remettaient un peu en question ce choix, et puis au final après l'avoir pas mal joué il reste sûr de lui. Ça peut être un deck intéressant, surtout qu'il y a deux Golaka, donc ouais. Contre voleur tempo t'es bien, contre les deux Dragro t'es pas mal, si justement t'as cette carte clé. Je suis Colento, tu es Jason Zhu. Allez, yes, yes. Mamie, je suis Colento. Mamie, je suis Jason Zhu. Et je sais plus ce que j'allais dire. Donc oui, en fait, ils sont vraiment entraînés pendant 3 mois. C'est pour ouais. ça que c'est dur pour Hoy, parce que vraiment une préparation à fond, surtout quand Hoy est joueur pro, donc il fait que ça. Bah, c'est 3 mois de préparation et 1 an de qualification. Et 1 an de qualification avant. Et finalement, bah voilà, tu perds 2 games, voilà, tu fais le déplacement, t'as toute un préparatif assez important avec les tournages et tout. Et voilà, 3-0 et... 3-0, en tout cas, ça enlève rien à la qualité de ce joueur qu'on reverra évidemment dans l'année qui va suivre. Pour lui quand même. Et ouais. puis voilà, tu passes, t'es quand même dans les 16 meilleurs joueurs ouais. du monde. C'est sûr. C'est plutôt classe. Puis il repart quand même avec 25 000 $, on en parlait tout à l'heure. Le prochain match, vous l'avez vu juste avant, ça va être Colento contre Jason Zhu. Le match décisif pour ce groupe B, c'est... puisque celui qui va perdre, si Colento perd son prochain match, il est éliminé des championnats du monde. C'est vrai. On veut pas, hein. Bah Jason Zhu il est cool aussi. Mais Jason Zhu est cool aussi, mais Colento. C'est un match entre deux personnes très charismatiques. Ouais. On connaît un peu moins Jason Zhu en Europe, mais c'est quand même une personne qui est très reconnue, très connue dans le monde d'Hearthstone ouais. professionnel. Donc ça va être un beau match. On va partir sur 5 minutes de réclame. C'est ça. Et on se retrouve. C'est pas tout à fait 5 minutes. Je crois que c'est un petit peu moins entre les matchs, mais en tout cas. Vous en sortez bien. On se retrouve juste après. À tout de suite.